Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons Fossoyeur et ses comparses à la recherche de morts vivants dans les tunnels du quartier Cyrillane. Donc ouais, si tu peux commencer par faire un petit là où tu te souviens. Donc pour se mettre tous les deux dans le bain. Donc le Fossoyeur a été appelé à l'office où il travaille, donc l'office du coroner là, où son chef qui s'appelle Herbert apparemment, que tu as appelé, lui montre des bouts de gens découpés. Et en fait, après analyse, il s'avère qu'en fait, ils ont été boulottés. Arthur s'est rendu compte qu'en fait, c'était soit des blêmes, soit des ghouls. Donc, des types de morts-vivants. Et donc, le fossoyeur Cave est un membre de la Vigeance, que tu as appelé Isaac. Donc, on est allé devant la taverne, où il y avait le ruisseau central qui passait devant, où les bouts ont été retrouvés. On a remontré. Et on est tombé devant une grille d'égout qui était censée être fermée et qui était ouverte. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu plein de passages par rapport à ce truc-là. Il y avait la craie que j'avais trouvée sur les corps. Et donc là, on rentrait dans les égouts pour aller explorer. Donc c'est là où on s'est arrêté. Vous ouvrez les égouts et vous rentrez dedans. Ouais, c'est clair. Bah, c'est exactement ça. Donc je démarre. On coupe. Action. Tac, scène 3, prise 12. Ça, par contre, ça risque d'aller dans l'épisode. Donc, vous êtes effectivement rentré dans les égouts. Juste aussi pour bien remettre dans la description de la ville, le quartier Cyrillane de la Cité Franche, il est sur une terrasse contre la partie falaise, en fait. Donc, le réseau des égouts, il est très important dans cette partie falaise et il va aussi à d'autres étages. Donc, c'est un peu une sorte de labyrinthe, quoi. Et comme dans le quartier de Assoif, tout ce qui va dans la falaise ou autre, il y a des rumeurs qui indiquent, enfin qui sont connues, pour dire qu'il y a des passages qui permettent de sortir de la vallée de la Cité Franche et donc aller à l'extérieur, ou qui amènent, si on prend les mauvais chemins, ce qu'on appelle l'inframonde. Donc ça peut être plus ou moins angoissant suivant qui sont les protagonistes qui se déplacent. Et ce réseau donc d'égouts, il est entretenu par chaque quartier, plus ou moins de façon efficace ou pas. Et donc là où vous êtes rentré, vous trouvez bien l'ambiance attendue d'un égout, entre guillemets, c'est-à-dire ces bruits de gouttes d'eau, l'odeur un peu nauséabonde, dans l'eau, stagnante, qui circule, des différents types de débris qui passent et tout ça. Et il y a quand même toujours des petites des petits passages sur les bords qui permettent de se déplacer dans les différents égouts pour pas avoir à marcher au milieu de l'égout, quoi. Donc vous étiez arrivé là et vous aviez une torche aussi, je pense. Il y a quelqu'un qui éclairait. C'est ça. Parce que sinon... le fossoyeur tient la torche et Isaac devant, arme en main, j'imagine. Voilà. Qui d'ailleurs, je sais pas s'il décide. C'est lui. Est-ce que c'est lui qui décide? Dans quelle direction on avance, ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul chemin, ou à chaque fois il s'arrête et dit est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Il suit plutôt tes directions, c'est ce qui était un peu demandé. Il est pas très à l'aise en fait. Quand vous étiez à l'extérieur, c'était un jeune homme qui était plutôt. Qui donnait une bonne image de la garde en fait, par sa jeunesse, par son sourire, par sa prestance.
même s'il faisait jeune, mais dès que vous êtes rentré dans les égouts et tout ça, même s'il a l'épée devant et tout, il écoute un peu plus tes consignes, et tu vois qu'il est un peu tremblant, quoi. Il n'est pas super à l'aise, ça transparaît, et puis il y a Cave derrière vous, quoi. Donc non, il est plutôt à l'écoute. Donc même si les égouts sont un labyrinthe, pour l'instant vous êtes juste dans l'entrée, entre guillemets, premier secteur. Donc vous êtes plutôt tous ensemble, donc ouais, il va attendre les consignes. Est-ce qu'il y a énormément de courant dans les égouts ou pas? Dans la partie où il y a immergé, dans l'eau, est-ce qu'il y a beaucoup de courant qui nous entraînerait si on tombait dedans, ou est-ce que c'est quelque chose de relativement calme? Donc il y a du courant, mais si tu tombais dedans, certainement vous auriez pied et ça ne vous entraînerait pas, quoi. Même D'accord. si on doit pouvoir se déplacer avec des barques ou des choses comme ça, c'est plus en poussant avec un bâton ou un truc comme ça que voilà, c'est pas une rivière, quoi, ou un fleuve ou un truc, un torrent, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment juste de l'eau qui circule, mais voilà. Ok. Déjà, il y a une première chose que le fossoyeur va faire, c'est qu'il va sortir de la craie qu'il a dans son pack, et à chaque fois qu'il va y avoir une intersection, il va faire une marque sur le mur. Alors, pas un truc super voyant pour que, style, quand il y a quelqu'un qui passe, qu'il efface juste comme une perle. Et ensuite, pour s'assurer que c'est bien sa marque à lui, il va faire une sorte de rune, tu sais, style, connaît un alphabet runique. Il fait une rune différente ou un truc comme ça, histoire de reconnaître que c'est la sienne et pas juste, tu sais, quelqu'un qui efface et qui fait une marque ailleurs ou quelque chose comme ça. Le but, c'est qu'il puisse reconnaître où c'est qu'il va parce que on n'a pas de carte des égouts et c'est un labyrinthe et il est hors de question de se retrouver dans l'inframonde. Parce qu'il y a plein de trucs pas cool dans l'inframonde. Et quant à Isaac, qui est pas forcément sûr de lui, ça l'affecte pas. Plus dans le sens où c'est son boulot, il faut qu'il fasse son boulot. Et peut-être que quand il voit qu'il hésite un peu et machin, tu vois que le fossoyeur le pousse un peu, pour dire, allez, 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 on y va là. Il faut faire avancer le sujet là. L'idée, ce serait, étant donné qu'il y a beaucoup de traces, elle devrait être relativement facile à suivre entre les traces de pas et la craie, pas la craie que j'utilise, mais la craie qui est par terre qu'on a trouvée, et d'essayer de remonter le chemin de manière relativement discrète. Chuchoter et voir où ça nous mène. Donc, une fois de plus, notre mission à nous, c'est pas d'aller casser du mort-vivant. D'ailleurs, on veut pas les casser, on veut les étudier. Donc, si on peut les capturer et qu'en plus on les ramène à la maison, c'est mieux. Petit aparté. Mais plutôt trouver où ils sont. Et ensuite, une fois qu'on a repéré, de remonter à la surface et d'envoyer les personnes compétentes pour aller s'occuper de ce type de choses. Donc voilà. Donc là pour l'instant on est en mode rogue. On est dans un roguelike avec tu vois triste Elsie, en essayant de faire en sorte que on se fasse pas tuer. Donc, fais-moi un petit jet de perception. Oula. Ouh, 18 plus 3, 21. Ça commence bien. Ha. Magnifique. Alors, attends, je le fais pour tes deux collègues. Ok. Donc là, il y en a une qui est derrière, donc si ça se trouve, elle ne perçoit pas ce qu'il y a devant, et vice-versa. Tout à fait. Donc, vous étiez à un croisement et en fait, il n'y a que toi qui a l'air d'avoir réagi en tout cas à quelque chose. Parmi tous les différents bruits que tu peux entendre, ce qui peut gêner en bas, t'as entendu comme un sifflement, comme quelqu'un qui fait un sifflement, c'est pour rappeler, tu sais, quand les gens se parlent en disant je suis là, c'est un truc comme ça. T'as entendu quelque chose comme ça, quoi. Ok, donc je fais un signe tout de suite de s'arrêter et j'essaye de déterminer dans quelle direction ça se vient. Ça vient d'un boyau qui est sur votre droite. Donc, Ok. c'est pareil, il y a des croisements, de choses comme ça. Et donc là, il y a une sorte de petit passage de planches qui ont été mises entre deux bordures. Et ça vient d'un boyau un peu sur la droite. Et vous n'êtes pas très loin. Vous avez avancé dans les égouts, mais tu peux estimer que vous n'avez pas fait 500 mètres, quoi, un truc comme ça, quoi. D'accord. On peut pas déterminer si le sifflement c'était un autre rencontre pour que ce soit nous qui nous approchons ou si c'était juste deux personnes qui éventuellement communiquent entre elles. Donc nous allons aller dans cette direction-là. Ok, vous y allez comment?
Eh bien, on continue à marcher le long du truc, et ensuite, à l'endroit où il y a le passage au-dessus de l'eau, entre les deux bordures, on tâte un peu, je demande à Isaac qui tâte un peu pour s'assurer que la planche, elle ne va pas casser sous notre poids. Mm-hmm. Et étant donné qu'il doit être plus grand et plus costaud que nous, quoi que Cave, en termes de proportion, si on essaye de parler de carrure, ça donne quoi entre nous trois? T'as combien en constit et en force dex, ça? Enfin, plutôt en force. Ah, moi, j'ai 12 de force et 15 de constit. Donc constit, je suis, 15, ouais. Je me suis imaginé que je suis un petit et un peu épais. Ok. En fait, c'est toi qui es le plus trapu des trois. Et Isaac a l'air d'être même plus le plus fluet de vous trois, quoi. Ah, ben on se sent protégé par la vivante, clairement. Donc en gros, si les planches devraient casser, elles devraient casser sous mon poids, moi. Ouais, donc du coup, ça. Comme c'est lui qui est devant, il faut quand même qu'il s'assure qu'elles sont pas toutes pourries, que ça va pas se casser sous lui. Mais probablement que c'est moi qui fais le plus d'attention, étant donné que si moi je passe, Cave derrière moi, elle devrait être capable de passer, en gros. Donc on fait ça. Donc on s'assure et on avance. Ok. Donc vous passez sur le petit pont. Pour moi, ça tient très bien. Ça, vous arrivez à l'autre côté. Vous allez vers donc l'endroit là où t'as perçu le son. Fais-moi un petit jet de Dex. Dex pur ou un save Dex? Un save Dex. Ouh, 20 naturel. Nickel. Donc en fait, parmi les immondices, il y avait un truc que tu aurais pu glisser, mais tu t'es largement bien rattrapé et en fait t'as même pas hop aperçu là quand c'est comme ça. Ah non mais ça fait un peu trop truc, c'est fait. Ouais. Plutôt que... style je faire un signe à Cave. Enfin, attention, quelqu'un qui glisse. Était derrière, ouais, c'est ça. Et t'as très bien. Alors que t'aurais pu largement, tu te dis bah si j'avais pas été aussi agile, j'aurais pu me viander dans la fange. Ah caca de troll. Et donc vous avez. Non, vous avez lancé un peu vers le. Il y a pas du tout cette voix, mais. Et est-ce que j'entends encore le pup-pup? Non, par contre, tu penses qu'il devait être plus très loin de là où vous y étiez, et sûrement que ce qui a fait ça, vous a perçu, puisqu'avec la lumière et tout ça, et truc, et vous entends, tu perçois, puisque t'étais un peu focalisé, des pas qui détalent, en fait. Si j'essaie de faire le même pup-pup, mais style, essayer de reproduire, si c'était un code, essayer de reproduire le code. Pup. Ok, comment on pourrait traiter ça comme type de... pour ça, c'est de la performance? Persuasion, plutôt. Non, persuasion, c'est plutôt quand tu prends le temps de parler, tout ça, quoi. Là, t'es dans l'interprétation tromperie. Artistique, quelque part. Et de toute façon, j'ai aucun bonus, alors ce sera le même G pour moi. Hein. Vas-y, ok. On va dire que c'est vrai. Ouais, vas-y. Mon charisme naturel. C'est ça. Voilà. 9. Mon charisme naturel. Donc, effectivement, Tu sais, comme dans le gendarme, quand ils sont à New York, là, qu'ils essaient de faire... Effectivement, j'imagine bien, donc t'essaies de faire le sorte de petit sifflement, ou en tout cas de... Voilà, c'est à plat, quoi. Mais, a priori, il n'y a rien qui est sorti, donc t'as pas fait un échec qui aurait pu dire que t'as fait n'importe quoi, juste, il n'y a rien qui est vraiment sorti, quoi. Donc oui, t'as entendu des bruits de pas un peu partir, quoi. Donc plutôt, effectivement, se dire... Enfin, tu sais pas, tu peux pas interpréter, mais c'est ce que t'entends, quoi. Mais peut-être qu'on pourrait se rapprocher pour aller voir s'il y avait quelque chose, peut-être qu'il y a un... J'imagine que, comme tu l'as dit, les égouts sont très vastes, il y a des entrées vers l'inframonde, donc du coup, ça se trouve... Et étant donné qu'il y a une sorte de mini-guerre civile dans le quartier, ça peut être... Les égouts peuvent abriter des voleurs, ils peuvent abriter des revels, ils peuvent abriter... Donc il peut y avoir de tout et de rien. Ça se trouve, c'est un écosystème complet sous les égouts. Plus les morts-vivants, bien évidemment. Ce qui est l'intérêt. Et du coup, le fait qu'il y avait autant de traces de passage à l'entrée de cette bouche d'égout, c'est peut-être lié au fait qu'il y a plusieurs types de groupes qui rentrent et que c'est leur point d'entrée standard. Il n'y a pas que les morts-vivants qui viennent se régaler. Alors ensuite, comment on va faire pour déterminer quel passage appartient à qui? Ça va être un peu plus compliqué, mais pour l'instant, je fais signe à Isaac de continuer à s'avancer en direction de là où on a entendu le bruit. Peut-être qu'on va trouver des indices ou des gens ou traces de passage, traces de vie. Ok. Donc vous avancez vers le secteur. Une fois que vous y êtes, qu'est-ce que vous faites? Tu cherches des traces, un truc comme ça? Voilà, je vais prendre un peu de temps pour demander à Cave de chercher des traces. Ok. Alors...
Donc tu vois qu'à à peu près là où tu penses avoir entendu le sifflement et donc après les bruits, on va dire, d'étalement, elle cherche un peu dans cette zone-là, sur ce petit coin de passage, quoi. elle a fait un. Ok, mais il n'y a rien. Donc Il elle n'y a rien. fouille. T'es sûr que c'était là? Il n'y a rien là. Ben. Non. Je suis pas sûr, non? Bon, écoute, c'est pas grave. Bon, est-ce que là on est perdu si Fais un tu jet veux? de perception. Toi, Isaac, Oula, le fait encore un Kozak. 18! Mais le T'étais dragon motivé. est Bon, avec moi! Isaac, il a encore fait Donc. un. Je viens de changer de dé, il a refait un. Donc, Isaac, il a fait un. Et donc, et ouais, Moi j'ai fait donc t'en as 21. fait un. Parfait. Donc, peut-être parce qu'elle te dit ça que ça te frustre, ou je sais pas comment Arthur réagit au fait de ça, mais en tout cas, ça lui a fait quand même regarder autour parce qu'il pensait vraiment. Et tu perçois au loin, mais enfin, au loin. C'est difficile parce que c'est au-delà de votre lumière de la torche, quoi. Peut-être un ou deux, enfin, peut-être des points lumineux, quoi. Des points lumineux style torche ou des points lumineux immobiles? Non, style torche, style au loin par rapport à ce que tu arrives à voir ou autre, tu perçois comme un reflet ou un peu de. Ouais, comme s'il y avait de la lumière de torche un peu, voilà, plus éloignée, quoi. Bon, le truc c'est que les morts-vivants, ils n'ont pas forcément besoin de lumière pour voir quoi. Donc il y a de très fortes chances que ce soit pas notre centre d'intérêt. Avant d'y aller, est-ce qu'on a un moyen de reconnaître si c'est des traces des morts-vivants versus des traces de bottes? Je sais qu'à l'entrée, il y avait des traces de bottes, donc on s'entend que les morts-vivants, avec un peu de chance, ils portent pas de bottes, quoique on sait jamais. Mais dis-moi si à mon avis, il y a un marqueur qui me dirait, ah non, ça c'est une trace de ce qu'on cherche versus ça c'est une trace de quelqu'un qui fait du passage dans le truc. Ou pas. Pour Arthur et son est-ce qu'il connaît, si dans de la terre meuble, il n'y aurait aucun problème pour trouver des traces différentes entre un mort-vivant type blême, ghoul versus des bottes ou autre. Là, vous êtes dans un égout où c'est de la pierre taillée ou des sortes de dalles et des choses comme ça. Des fois, il y a un peu de l'immondice qui est tombé dessus avec l'eau et tout. Donc, trouver des traces spécifiques comme ça, c'est quand même difficile. Donc, si quelqu'un avait marché dans de la boue et des bottes, bah, tu verrais peut-être des différences si c'était quelque chose qui avait marché dans autre chose. Ça risque d'être compliqué par rapport aux traces. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va se diriger en direction des lumières, mais je demande à. Alors, étant donné que moi, mon rôle, c'est porter la lumière et la diriger dans la bonne direction pour que Isaac se casse pas la gueule, peut-être que je vais demander à Cave qu'elle fasse attention à des endroits qui seraient plus boueux. Et du coup, que si elle voit un endroit qui est plus boueux, ben, qu'on fasse spécifiquement une essai de reconnaissance de traces. À cet endroit-là, parce que tu sais, comme il y a des passages qui sont secs et des passages qui sont humides, ou il y a des passages, etc. Donc sur le chemin, à toi de décider s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et donc, mais en l'occurrence, on s'avance vers ces espèces de torches qui doivent démontrer un signe d'habitation. Donc vous avancez. Est-ce qu'il y a des précautions particulières par rapport à ce que tu disais à la lumière que tu as ou juste Les seules précautions, c'est qu'on essaye de faire pas de bruit, et donc on communique en chuchotant ou en faisant des gestes, mais par contre, étant donné que aucun de nous n'a la vision dans le noir, non, on cache pas la torche, c'est pas une lanterne, c'est pas comme si on pouvait, tu sais, rediriger la lumière dans un sens et pas dans l'autre, On est donc d'accord. non. Côté lumineux, on est très visible, côté sonore, probablement qu'on essaye de faire attention. Ok. Est-ce qu'on considère qu'il y a quand même une sorte de déplacement avec discrétion ou pas? Oui, Donc on faites n'y un va petit jet pas dans ce cas-là. un petit jet de déplacement avec discrétion. Discrétion, ouais. Ah là, ok, tu vois que Isaac et Cave, les deux, en tout cas, tu les vois bouger entre guillemets autour de toi, mais tu n'entends rien du tout. Ok, donc 16 plus 4, ça fait 20. Très bien. Pour ceux qui vous observeraient, vous verrez juste de la lumière. La lumière bouge toute seule. Voilà, Les c'est ça. elfes de l'Outremonde sont de sortie. Donc vous avez peut-être croisé un passage ou autre, et en fait c'était assez proche cette lumière de torche. Et donc oui, effectivement, plus vous vous rapprochez, plus vous voyez qu'il y a une sorte de torches qui sont au niveau d'un mur en fait qui indique de la lumière et dans un boyau sur le côté droit. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, il faut regarder s'il y a des gens.
trouvé ça le plus intéressant. Dans le halo de lumière qui est fait par la torche, donc c'est quoi, c'est 40 feet de rayon, donc ça fait 12 mètres de rayon, ça doit en faire, et en plus dans un petit endroit confiné, il doit y avoir quand même pas mal de lumière pour voir s'il y a des gens. Lors de votre avancée vers cette torche, enfin, grâce à être discret, inévitablement vous arrivez devant, et effectivement vous voyez dans ce boyau un peu de lumière. En fait, il y a l'air d'avoir une sorte clairement de petit campement de fortune, et il y a l'air d'avoir différentes personnes qui sont là. Vous êtes accueillis entre guillemets par deux personnes qui sont juste devant les lumières, puisque malgré tout, même sans faire de bruit, vous avez été un peu repéré avant et vous avez continué à avancer, tout, donc ils sont plutôt là juste devant vous. Deux personnes qui ont l'air un peu bonne constitution, dans des tenues très très abîmées, poisseuses, très tristes, très pauvres état, même si leur constitution a l'air un peu correcte en termes de carrure. Le visage est bien marqué, fatigué, avec soit barbe mal rasée, soit sale. Les deux personnes donc sont deux humains, deux hommes, plutôt la cinquantaine. Le visage très fatigué, les yeux un peu injectés de sang, c'est être un peu fort, mais avec les cernes et tout ça, donc pas vraiment en forme et fatigué. Et donc il y en a un qui a plus de cheveux, avec des cicatrices sur le visage. Et le deuxième qui se tient un peu plus près avec son gourdin, qui a l'air peut-être le plus, si on peut dire, le plus en forme. Et au moment où vous passez le truc, la personne la plus donc en forme essaie de dire que voulez-vous ? Non, nous ne voulons pas, d'embêtement. Passez votre chemin ou il vous en cuira. Qu'est-ce que la découverte de ces personnes dans les tunnels du quartier Cyrilane peut indiquer sur la recherche de morts vivants dans ce secteur? Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement. Abonnez-vous pour être notifié. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolist.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Et encore merci. Bon jeu !